Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված ՄԱԿ-ի տեսլականի մասին այսօր կզրուցենք ՄԱԿ-ում Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչ Լիդիա Մարկոսյանի հետ։ Ողջույն, Տիկին Մարկոսյան։ Ողջույն։ Տիկին Մարկոսյան, ՄԱԿ-ում որպես Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչ կխնդրեմ ներկայացնեք ձեր վերլուծությունը ներկա իրավիճակի եւ Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված։ Eh bien, écoutez, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation à venir m'exprimer à la télévision publique de la République d'Arménie occidentale. Tout d'abord, je voudrais vous dire que ce qui se passe en Artsakh a un lien direct avec la question de l'Arménie occidentale. Et vous dire que ces attaques du 27 septembre sur des populations civiles arméniennes sur le territoire de l'Artsakh a directement lien avec les programmes génocidaires turcs successifs qui ont lieu en Arménie occidentale depuis 1894. C'est un lien direct ici qu'il faut faire. Ce n'est pas un nouveau génocide. C'est la poursuite d'un génocide qui a commencé il y a plus de 100 ans, en 1894, sur le territoire de l'Arménie occidentale. Et l'Artsakh fait partie de l'Arménie occidentale et je vous démontrerai en quoi c'est une réalité juridique aujourd'hui. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut prendre aussi un petit peu de recul, un petit peu de hauteur lorsqu'on regarde ces événements. Il faut bien vous dire que ces programmes génocidaires turcs successifs s'inscrivent en réalité dans une politique plus globale qui est la politique de colonialisme et d'occupation que mène la Turquie. Parce que j'entendais le président turc s'exprimer il y a quelques semaines à l'occasion du 75e anniversaire de l'Assemblée générale et il s'exprimait disant qu'il menait une politique étrangère humanitaire. Alors, à un moment donné, moi, j'ai envie de dire, de qui se moque-t-on? Cela fait déjà plusieurs années que l'Arménie occidentale va au Conseil des droits de l'homme pour dénoncer ce qui est en réalité cette politique étrangère inhumaine, car le colonialisme n'a rien d'un visage humain. C'est l'oppression de l'être, c'est l'oppression, c'est la déshumanisation de l'être. Qui occupe qui? Donc posons-nous cette question. J'ai dénoncé à plusieurs reprises en Conseil des droits de l'homme cette question. Qui occupe le nord de Chypre? Qui occupe Afrin? Qui s'est attaqué à la République arabe syrienne, État souverain? Qui occupe l'Arménie occidentale depuis 100 ans? Donc, à un moment donné, je crois que les chancelleries vont devoir revoir le dossier turc d'une manière un petit peu plus raisonnable. Mais je crois que ici il y a quelque chose de plus grave qui se passe. Ce qui se passe, c'est véritablement l'anéantissement voulu, délibéré des peuples autochtones dans tout le Moyen-Orient. Ces peuples autochtones sont là. Ils ont toujours existé, ils sont issus du sol même où ils habitent, et c'est le cas des Arméniens, c'est le cas des Grecs pontiques. Maintenant, non seulement les peuples autochtones ont une tentative d'anéantissement, parce que, bien évidemment, c'est une tentative, mais aussi les minorités ethniques sont attaquées. Alors, je voudrais tout de même, et c'est là mon propos d'aujourd'hui, car je voudrais effectivement, par rapport à votre question, vous dire qu'effectivement, il y a un lien direct, et ce lien direct entre ce qui se passe actuellement en Artsakh a directement lien avec l'Arménie occidentale, mais d'un point de vue juridique. Mais pour cela, et pour comprendre cette question, il faut faire un détour par l'Arménie occidentale. Alors, ce petit détour-là, il faut savoir que juridiquement, l'Arménie occidentale, c'est un État arménien reconnu en 1920 par le Conseil.
Conseil suprême des puissances alliées, et cet État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale, c'est la raison pour laquelle nous le nommons Arménie occidentale, parce qu'il faut bien la nommer, eh bien, cet État a fait l'objet, comme je vous l'ai dit, de toutes les reconnaissances juridiques, de reconnaissance d'État en 1920, de juré et de facto. Alors, quand vous avez, partant de ce principe, il y a eu, à l'issue de la Première Guerre mondiale, un certain nombre de traités qui sont venus clôturer la Première Guerre mondiale. Or, cette clôture n'a pas tout à fait eu lieu, puisque le traité de Sèvres, qui a suivi cette reconnaissance, puisque l'État d'Arménie occidentale a été reconnu avant la signature du traité de Sèvres, eh bien, ce traité de Sèvres n'a pas été ratifié. Certes, il n'a pas été ratifié, mais il n'empêche que ce traité a toujours force. Et c'est ce dossier du traité de Sèvres que je mets sur la table, donc auprès des États et auprès du Conseil des droits de l'homme, puisque j'ai eu l'occasion, à l'occasion des centenaires des traités, donc en 1919, celui du traité de Versailles, et 1920, le traité de Sèvres, eh bien, j'ai eu l'occasion de le mettre sur la table, parce que c'est un traité qui a toujours force, en réalité. Je vous donne un exemple, et moi je m'adresse ici, je voudrais aussi m'adresser à toutes les écoles de droit international, les facultés d'université qui enseignent le droit international, et je voudrais dire que quand même, il y a un précédent juridique vis-à-vis du traité de Sèvres, parce que nous avons là un traité qui n'a pas été ratifié, mais qui a été appliqué pour nombre d'États. Lorsque je m'adresse aux États et lorsque je leur demande sur quelle base aujourd'hui ils siègent et ils ont un siège à l'ONU, ils me disent, écoutez, c'est sur la base du traité de Sèvres. Alors, quid, à ce moment-là, de l'Arménie occidentale, puisque le traité de Sèvres consacre un chapitre à l'Arménie occidentale, une section, c'est la section 6. Et dans cette section 6, j'aimerais rendre attentif donc le monde à cette section, et en particulier à l'article 92 du traité de Sèvres. Alors là, c'est là que vous allez comprendre. Que dit l'article 92 du traité de Sèvres ? Il dit que les frontières respectives entre l'État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale, mais c'était ça en fait, donc les frontières respectives entre l'État arménien, l'Azerbaïdjan et la Géorgie seront déterminées par accord direct. Alors vous comprenez maintenant ce qui se passe. Autant en 1920, vous avez une frontière occidentale de l'Arménie qui a été tracée, qui est la frontière du président Wilson, qu'on nomme par la sentence arbitrale. Et je voudrais dire ici qu'en termes juridiques, une sentence arbitrale, elle ne peut pas avoir, une acceptation plus forte en termes juridiques. Là, on est dans le summum, dans le premium des actes juridiques. Bien, donc la frontière occidentale, elle a été fixée. La frontière orientale reste ouverte. Vous comprenez donc pourquoi l'Azerbaïdjan tente aujourd'hui de repousser la frontière, non pas par négociation diplomatique, comme il devrait se faire, mais par la force, par des attaques sur le territoire de l'Artsakh. Donc c'est très grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan refuse la négociation diplomatique, et ça, c'est un point clé qui doit être pris en compte dans le cadre des pourparlers du groupe de Minsk. Voici pour cette question du lien entre l'Artsakh et l'Arménie occidentale. Ձեր ասացից ենթադրվում է, որ սա ավելի ընդգրկուն լուծում է, այսինքն կապված է Արևմտյան Հայաստանի ապորինի օկուպացիայի հետ։ Ինչ եք ակնկալում ՄԱԿ-ից? Lorsque nous appréhendons la question des liens vis-à-vis de l'ONU, eh bien, il y a trois points que je voudrais évoquer. Tout d'abord, la question de l'occupation illégale de l'Arménie occidentale doit quand même faire l'objet d'un débat permanent
au sein de l'ONU. Je veux dire, il est quand même inconcevable que les questions d'occupation, et notamment la question de l'occupation de l'Arménie occidentale, qui préexistait même à la création de la Commission des droits de l'homme, puis du Conseil des droits de l'homme, ne figure pas parmi les débats permanents du Conseil des droits de l'homme. C'est un sujet qui doit être évoqué, tout comme est évoquée donc, la question de l'occupation des territoires arabes. Ça, c'est quelque chose d'incontournable. La deuxième question, c'est que, moi, je crois qu'il faut maintenant mettre sur la table la question d'un siège permanent de l'Arménie occidentale à l'ONU. Ce n'est pas parce que l'Arménie occidentale est occupée que cet État n'existe pas. Vous avez aujourd'hui des États qui sont tout ou partie occupés et qui pourtant siègent. Ils siègent à l'ONU et en plus ils siègent sur la base du traité de Sèvres. Donc c'est un sujet qui doit être mis sur la table. La troisième question, j'ai ici la charte des Nations Unies. Cette charte des Nations Unies, c'est quand même le document indispensable que tout État doit lire et respecter. Eh bien, cette charte des Nations Unies est allègrement bafouée, offensée, piétinée par la Turquie. Mais comment demain les chancelleries vont pouvoir dialoguer avec la Turquie qui bafoue cette charte des Nations Unies? Je crois qu'aujourd'hui, cette entité qu'est la Turquie doit être mise au banc des nations. Je crois que des mesures radicales doivent être prises en compte. D'ailleurs, la Turquie n'est même pas une nation. Nous savons très bien qu'il s'agit là d'une tribu venue d'Asie centrale qui est venue coloniser donc, le plateau arménien. Et vous dire que le groupe ethnique turc est d'ailleurs minoritaire en Turquie. C'est la raison pour laquelle les populations qui ne se réclament pas, qui ne s'identifient pas à cette Turquie, peuvent demander la carte de citoyenneté de la République d'Arménie occidentale. Je voudrais vous dire que la Turquie, c'est en réalité un foyer cancéreux. Et à un moment donné, il faut arrêter cette propagation, il faut arrêter d'alimenter les cellules cancéreuses. Je vous donne un parallèle en médecine parce que c'est véritablement ça qu'il s'agit. Alors que je vois que cette propagation se fait dans tout le Moyen-Orient et aujourd'hui en Europe, l'arrêt de l'alimentation de ces cellules cancéreuses doit se faire au moyen de sanctions, au moyen d'arrêt de vente d'armes, au moyen d'arrêt l'exportation de pièces détachées dans la fabrication des armes turques. Nous ne pouvons plus avoir ce type de comportement au niveau international. La deuxième question, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous avez un foyer cancéreux, eh bien, il faut prendre effectivement la mesure de l'étendue du problème. Aujourd'hui, vous avez un État qui a bâti un État, je veux dire une entité plutôt, qui a bâti sa construction sur l'extermination d'une nation. Je crois qu'aujourd'hui, une justice réparatrice est nécessaire pour l'Arménie occidentale et que le partitionnement de la Turquie via la sentence arbitrale de Wilson ou via le décret russe est aujourd'hui une nécessité, une obligation pour le monde libre. Ներկայացնելով ՄԱԿ-ի տեսլականը եւ նաեւ ձեր վերլուծությունը այդուհանդերձ ինչպես եք տեսնում ապագան? Alors, moi je voudrais dire tout d'abord que il faut faire très très attention à la question de l'instrumentalisation qui est faite par la Turquie de la religion. Je crois qu'aujourd'hui le monde musulman n'est pas dupe. Le monde musulman voit bien qu'il y a une tromperie généralisée, puisque le président turc enfreint les principes mêmes de l'islam, qui veut qu'il n'y ait pas d'attaque sur des populations civiles. Il n'est pas admis dans les principes de l'islam qu'on puisse s'attaquer
aux populations civiles, aux femmes et aux enfants. Quant à l'avenir, je voudrais dire tout d'abord que l'Arménie, aujourd'hui, force le respect de la communauté internationale puisqu'elle se bat contre ces forces terroristes et qu'elle suscite de plus en plus la sympathie, en réalité, de la communauté internationale qui comprend en quoi les Arméniens ont tant souffert. Ils ont souffert des programmes divers d'extermination qui se poursuivent aujourd'hui. Ils souffrent de leur statut d'exilé dans le monde entier. Ils souffrent du fait que leur territoire ne soit toujours occupé. Donc, moi, je crois qu'effectivement, et je le redis maintenant, il faut que se mette en place une justice réparatrice pour le monde arménien et le monde arménien d'Arménie occidentale, dont l'Artsakh fait partie. Տիկին Մարկոսյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից եւ ընդգրկուն հարցազրույցի համար։ Ես ցեզ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսօր զրուցում էինք Մակում Արեմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի հետ։